Bonjour à tous, au sommaire de ce vendredi 6 octobre. Un centre de loisirs qui crée la polémique à l'école maternelle de Lormes-Bossu à Lagny. Des travaux vont être entrepris pour accueillir le périscolaire, mais sans concertation avec les parents d'élèves. Une réunion publique était organisée ce jeudi soir à l'école, l'occasion pour la ville de présenter leur projet et tenter de rassurer les parents. Ce vendredi, c'était la journée des aidants. C'est le nom qu'on donne aux personnes qui consacrent du temps à un proche malade. À la résidence du parc à Ponto, une après-midi leur était dédiée. Au menu, des massages et de la réflexologie notamment, pour leur apprendre à prendre soin d'eux et les inciter à se faire aider. Des parents d'élèves remontés à Lagny. Tellement remontés qu'une réunion publique a été organisée à la hâte par la mairie pour calmer le jeu. En cause, une partie de l'école maternelle de Lormes-Bossu doit être reconvertie en centre de loisirs, notamment pour accueillir les activités périscolaires. Les parents dénoncent une absence de concertation. Ils ont appris la nouvelle à 2 semaines des travaux. La ville défend, elle, un choix politique et pratique. Aujourd'hui, sur l'école Lormes-Bossu, le centre périscolaire, ce sont 2 algécos qui sont situés à l'extérieur de l'école. Donc, les enfants, à partir de 16h30, sont automatiquement dehors. C'est assez vieillissant, ce n'est pas très grand. Et comme à l'intérieur de l'école, il y avait de très grandes salles qui étaient inutilisées, en tout cas jusqu'à cette année, puisque lorsque le programmiste a fait les tours, il a vu ces 2 grandes salles immenses non utilisées. Il a dit que c'est quand même dommage de ne pas créer du périscolaire sur ces 2 grandes salles existantes, de manière à ce que les enfants n'aient pas besoin de sortir et restent dans leur cadre, puisque c'est un lieu qui peut être utilisé sur le temps du midi et dès 16h30. On ne retire pas un seul mètre carré au temps scolaire. C'est un peu la punchline de ce soir-là, avec laquelle l'équipe municipale veut rassurer. Il faut dire qu'une pétition contre ces travaux fait déjà son cours sur les réseaux sociaux. Elle regroupe à ce jour 100 de signatures. Mais en fin de réunion, certains parents restent critiques. Quid des enfants pendant le bruit des travaux, quid des enfants dans un dortoir qui va être très bruyant, quid de l'aspect psychologique pour les enfants de changer de classe comme ça. Voilà, un grand manque d'organisation. Ça m'inquiète un peu du fait de voir que à peine dans 15 jours, on doit déjà démarrer les travaux et donc différentes classes doivent être fermées et donc transbahutées à d'autres endroits dans l'école. Bon, dans un premier temps, les travaux se limitent à de la peinture, mais pour les parents d'élèves, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase après un refus de l'académie d'ouvrir une nouvelle classe dans cette école aux effectifs déjà importants. Ils sont environ 8 millions, comme Dominique, 8 millions d'aidants familiaux, ces personnes qui soutiennent un proche dans la maladie. Chaque année, le 6 octobre est leur journée, une date célébrée notamment ici, à la résidence Le Parc, à Ponto Combo. Réflexologie plantaire et massage shiatsu pour les professionnels de l'établissement, les résidents et donc aussi les aidants qui parfois se donnent tellement qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ils en deviennent vraiment malades, physiquement, moralement, ils ne dorment plus, ils ne mangent plus. C'est un stress au quotidien, ils ne sortent plus, ils ne s'occupent plus d'eux, ils ne prennent même plus le temps d'aller chez le médecin, de prendre soin de leur santé. Et c'est pour ça que nous on a fait cette journée sur la santé des aidants, parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut être soi-même en bonne santé. Il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Alors pour éviter l'épuisement, il faut accepter ses propres limites, dépasser la culpabilité et aller demander du soutien dès les premiers symptômes. Mal de dos, difficulté à dormir, anxiété ou encore dépression par exemple. Les conseils peuvent paraître simples mais ils sont importants. Voir un médecin, puis après se faire aider par des professionnels qui sont là pour ça, quoi. Et au-delà des professionnels, après c'est rencontrer des institutions, c'est-à-dire le centre d'action communale et sociale par exemple, les mutuelles des personnes, les associations de malades. Et quand on est aidant, prendre du temps pour soi n'est pas si évident, loin de là. Ça s'apprend. Au début, je ne soufflais pas du tout, mes frères et sœurs non plus. On était toujours dans l'inquiétude, dans 100% on va voir maman, le week-end, les soirs, l'hôpital. On sacrifie même un peu sa vie de famille à soi, on ne pense pas à soi d'ailleurs. Selon ce psychologue clinicien qui donnait une conférence à la résidence, si les aidants étaient rémunérés pendant les heures qu'ils accordent à leurs proches, cela coûterait à la sécurité sociale la bagatelle de 160 milliards d'euros chaque année.
Après le festival des transversales, place à rue des Beaux-Arts, la MJC Camille Claudel à Logne organise samedi une après-midi dédiée aux artistes amateurs et professionnels. Ça se passe dès 15h autour du Grand Bassin et sur la place des Colibères. Des performances liant art plastique, danse, expression corporelle et mobilier urbain. Chaussez vos baskets. Dimanche, c'est la 4e édition de la rando Méli-Mélo au départ du parc de Rantilly. Un événement organisé par le Codé Rando 77 et l'Office de Tourisme de Marne-et-Gondoire. Au programme, des parcours de 6, 12, 17 ou 25 km, ainsi que différentes animations pour ponctuer la journée. Premier départ, 8h30. Le programme détaillé sur www.marne-et-gondoire-tourisme.fr. Trois montées en 3 ans d'existence et ils sont encore en lice pour le titre de champion. Les joueurs de baseball de Lagny sont encore en train de boucler une énorme saison. Tout juste promu en National 2, l'équipe s'est qualifiée pour les demi-finales et la finale de son championnat qui se disputeront ce week-end à Chartres. Le club, qui n'a que 3 ans d'existence, progresse vite et continue à recruter des joueurs. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve lundi. Bon week-end à tous.